Bon, eh bien, salut tout le monde, c'est Farage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. On se retrouve pour continuer notre aventure après les grosses révélations de l'épisode précédent, épisode que j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que vous avez lâché un max de pouces bleus sur cet épisode. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et aujourd'hui, on se retrouve donc en compagnie de la princesse Héliodore, de Jade, pour essayer de retrouver nos compagnons. Alors ils disent qu'il faut retourner à Fordrazil, mais bon, je pense qu'Hendrick n'est pas idiot non plus et que ça va pas être si simple qu'il n'a pas déserté Fordrazil quand même, ça m'étonnerait. Donc on va voir. Donc di ah bon, ouais. Donc direction la cinématique. Ah voilà, c'est ce que je disais, il est pas idiot. C'est pas un idiot, Hendrick. Suspected it would take more than a minute. Sir Hendrick. And it really have been so many years since that fateful night, Princess. To see you alive and well, you cannot imagine how much this pleases me. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. L'entêtement du chevalier, quoi. Look. I know how you feel about duty, Hendrick. How could I forget? You don't understand how important this is. Please, you have to let us go. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. I wish it didn't have to come to this. But it has. Impressive, Princess. The spirited young girl of old has grown into quite the warrior maiden. Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head to distract me. Elle a beau dire, elle se défend, la princesse. Hein. Elle est vraiment balèze. Hein. J'avais dans l'idée de la prendre dans l'équipe, mais j'ai encore plus envie de la prendre dans l'équipe et de la garder maintenant que je la vois comme ça. What will it take to convince you that I am deadly serious? That if you stand on the side of the Darkspawn, I will have no choice. I'm sorry. Get on. Now hold on tight. Princess, what have you become? Bon. Ah, j'allais dire, et du coup, on a gagné le cheval d'Hendrick. Mais enfin, ceci dit, il est pas très loin, Hendrick. Il va quand même revenir là. Faudrait qu'on se dépêche. Moi, je dis ça. Just about, no thanks to Hendrick and him. So it was old Hendrick, was it? I thought it might be. I would have liked a wee word. Well, if even he's out for your blood, the forces of evil must have a stronger hold in Heli. It wouldn't be the first time a once glorious kingdom had been brought many, many years ago. A dastardly fiend destroyed an entire empire with his war. Mordegon. His story is all but forgotten these days. I had to tramp halfway around the world. But the more I find out about him, the more I'm convinced he's the one behind all this. Dundrasil, the troubles in him. Which is why you're gonna have to stop him, laddie.
The fate of the whole world depends on it. You're the Luminary, after all. You were born to defeat the Dark One, but you'd be more than foolish to face him unprepared. He's a master of darkness, the like of which... Then we must make our way to Yggdrasil as soon as we can. The legends of Arboria tell of a means of fighting the darkness. Veronica, that must be why we're supposed to take him there, mustn't... Here you are, laddie. It's yours at last. You'll be needing it if you're to make your way to the... If anyone can get this old stick to show us the way, it's you. Et comment je fais après? Well, can you see anything? Don't tell me it's a dud! If that Noah sent us in a wild goose, he could have told us it didn't work before we wasted a zillion out. Now, let's not jump to conclusions. Why don't Jade and I join you, and we'll not give yous any bother. I promise. Ok, bon, Théo par contre, je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de le prendre dans l'équipe. On va regarder ses compétences, voir un peu, mais je suis pas plus emballé que ça par le fait de le prendre dans l'équipe. Alors, divers, déjà, faites voir un peu, 214, oh là là, ouais madame. Bon, Sylvando, je te remercie, mais il est temps pour toi de laisser ta place. Toi, en revanche, puissance magique 107 et 164. Ouais. Tactique. Tu agis pas avec sagesse, tu suis les ordres. Et toi, tu suis les ordres aussi. Ensuite, au niveau... des compétences. Jade, qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Donc elle se bat avec des griffes. Ah, elle se bat avec des griffes ou avec la lance, c'est ça, hein? Mais on va la garder la lance, hein. Attention derrière. Augmente la vitalité. Ouais. Et là, c'est du côté de quoi? Balayage. Coup de pied retourné. Ah, ouais, non, ou alors elle se bat à main nue. Attendez. Attendez. Caractéristiques. Jade. Non, elle a une hallebarde, mais... Mais vraie question, elle peut se battre à main nue, du coup? Turban de voleur. Ouais, ok. Ouais, vraie question, elle peut se battre à main nue, du coup? On va te mettre un truc qui augmente le charme, ça paraît être assez logique. Doté de pouvoir d'éviter les attaques ennemies. Ouais, ça collerait bien avec le personnage. Ah, que du diable, c'est un objet, j'avais pas vu. Qui est aussi surprenant que ça la puisse paraître, protège des maléfices et des attaques de ténèbres. Oh, bah pourquoi pas. Elle est équipée ou pas la queue? Non. Allez, ok, pourquoi pas. Et toi, Théo? Bon, tu as la canne. Canne de Théomère. Et puis on va te mettre... l'implorant et le guérisseur. Histoire 2. Au niveau de la magie, qu'est-ce que tu as? Soin, antipoison. Ah, donc tu es aussi un healer. Lève une malédiction, rappel. Donc c'est aussi un healer à sa façon, mais j'imagine que Serena est plus avantageuse. J'imagine. Caractéristique donc de Jade. Croissant lunaire, coup de pied retourné. Saut qui inflige de gros dégâts, ok. Compétence griffe, non. Combo d'équipe, ok. Donc, voyons l'hexagramme un peu. Le truc, c'est que si t'es équipé d'une lance, eh ouais, point, donc c'est ça. Donc en fait, si je... Donc les personnages qui se battent avec leurs poings et leurs pieds augmentent la force, l'agilité, permet d'utiliser l'aptitude fulgurante et dévastatrice. Alors là... c'est vrai que là, en fait, on nous l'a présenté comme un personnage qui se bat à main nue. Donc, est-ce que ce serait vraiment cohérent de lui mettre la lance? Je sais pas. Sachant que, ouais, parce que... Enfin, mais si je lui enlève la lance, elle fera moins de dégâts.
Mais en fait j'hésite, je sais pas comment la jouer. Je vous explique pourquoi, parce que on nous l'a présenté comme un personnage qui combat à main nue. Et elle a des compétences de points. Mais si je lui mets une lance, il va falloir que je dépense des points là-dedans pour lui mettre des compétences de lance, vous voyez? Mais du coup, je sais pas. Parce que le problème, c'est que si je la fais combattre à main nue, on est bien d'accord qu'il faut que je lui enlève ça. Mais si je lui enlève ça. Ah, elle a des griffes aussi, j'avais pas vu. Et lui aussi, il a des griffes, d'accord. Si je lui enlève ça. Ah, je divise par deux son attaque quand même. Hein. Donc, mais en même temps, quelqu'un d'agile qui se bat avec une lance, moi, ça me paraît pas incohérent. Ça me paraît pas incohérent, donc on va lui mettre des compétences de lance. Coup bestial. Puissance d'attaque à la lance de base, voilà. Tonnerre divin. Cette compétence n'est pas toujours efficace, mais quand elle atteint son but, elle peut entraîner un coup critique. Ouais, c'est pas mal. Sacré qui peut infliger de gros dégâts aux morts-vivants. Ok, alors on va déjà prendre ça. Et augmenter les PV maximum de 10. Et ça du coup? Chance de devenir hyper physique plus 5%. Hey, c'est intéressant ça. C'est intéressant pour le coup. Ouais, on va prendre ça. Chance de devenir hyper physique plus 5%. Et du coup, je peux rien prendre d'autre normalement. Ok. Théo, du coup, donc toi c'est soit la canne, soit les griffes, soit la spiritualité. Bon, toute logique, on va lui augmenter la spiritualité. Hein. Bon, la canne, il faudrait l'augmenter, mais les griffes, franchement, il est trop vieux pour se battre avec des griffes. Puissance magique plus 5, allez. Soin magique. Voilà, on va augmenter la force, même si je vois pas l'intérêt de augmenter la force, mais bon. Médecine douce, augmente légèrement l'efficacité des sorts d'utilisateurs. Ok. Soins magiques, tout ça, ouais, mais en termes de soins, plus bénéfique. Automatiquement au moins 22 PV par tour à tous les membres de l'équipe. Ouais, c'est un healer différent. Offre des PM à un allié. Lève une malédiction. J'hésite. J'ai pas spécialement envie d'enlever. Bah, Véronica, en fait, je suis presque obligé de la laisser parce que c'est ma seule vraie magicienne. Je veux dire, elle a quand même presque 3 fois plus de puissance que Farage. Bon, Farage, je le laisse. Eric, c'est le voleur, il est bien sympa, mais franchement, je pense que Jade, on va la garder parce qu'elle est tellement classe comme perso que voilà. Après, bon, Sylvando, c'était sympa. Après, voilà. C'est en termes de healer, c'est soit Serena, soit Théo. Alors on peut dire que en termes de soins magiques, pour l'instant Serena est plus avantageuse, mais d'un autre côté, Théo n'a pas d'équipement à proprement parler. Je veux dire pour, il n'a pas d'équipement. Enfin, je lui ai pas acheté d'équipement, donc je sais pas. Alors vous savez quoi? Écoutez, on va prendre Théo juste pour l'essayer, mais après je pense que je vais reprendre Serena. Ok. Bon ben. Essayons-nous de nous rapprocher. Donc j'imagine qu'il faut aller dans la région de Zwardrust. Enfin, revenir dans la région de Zwardrust. Donc on va y aller. On va y aller, on va y aller. On a papillonné un petit peu. Enfin, papillonné le temps de se préparer. On va y aller. Mais je suis content, Jade. En termes d'entrée en matière, ça me plaît bien. Ah, vous avez tous vu ça? Maybe trekking halfway around the world to find that branch wasn't such a waste of time after all. And we've already got one of the orbs we need, too. I knew swiping this thing from the castle was the best idea I ever had.
had my own plans for it. But this is way more important. It's yours now. Bon, bah on a déjà une, plus que quatre. Oh, pff, ouais, d'accord. Our prize from the tournament. Lucky we didn't sell it in the end, eh? Aye. And there I was all set to swap it for a few piffling trinkets. Oh, plus que trois alors. Now, it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. So, we know where we have to go. We just need to find the other... But where in the world would... Orbs. Orbs. Oh, I do remember a fairy tale about a giant pearl sinking... Well, if we don't have any real clues, I guess we'll just have to head out into the world and find... You're not wrong there. In which case, let's head for Puerto Valor. We can get out in a fairly straightforward voyage, if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo, the big man over that way. I'm sure he'll open the sea gates for us. Ah! Right then, let's get moving, shall we? On va peut-être en apprendre plus sur le passé de Silvando alors à Puerto Valor. On n'a pas déjà été à Puerto Valor en plus. On a déjà été à Puerto Valor. En vrai, je crois que je peux me téléporter là-bas. Ah oui, je peux déjà me téléporter là-bas à Puerto Valor. Alors, je peux me téléporter à Puerto Valor, mais honnêtement, je vais pas le faire tout de suite pour la simple et bonne raison que je vais d'abord prendre le passage au sud pour voir où ça mène. Et après, j'irai me ruiner au casino de Puerto Valor. Encore. Bon. Allez, on a des combattants à tester. C'est parti. Alors, c'est qui là? Jade, donc elle a pas de sort. Coup bestial, attention derrière. Alors, faites voir un peu. Ok, d'accord. Je m'attendais pas à ça, mais ok. Véronica Cramley. Et Théo. Alors Théo, ça c'est des aptitudes en termes de sorts. Déconfuse, rappel, désillusion. Ah ouais, ah ouais, non mais en termes de sorts d'attaque il est pas mal. Malédiction envoyant un ennemi dans l'au-delà. Invoque de petits projectiles constitués d'énergie des ténèbres sur un seul ennemi. Ah, bon, effectivement, il a en termes de compétences, il est mieux que Serena. Mais je préfère Serena. Je préfère Serena, très sincèrement. Je sais pas ce que je vais faire là pour le coup. En termes de compétences, il est mieux, mais en termes de stats, il est pas mieux. Donc. En termes de PVPM, il est mieux, mais c'est peut-être parce qu'il a deux niveaux de plus aussi. 132 en sang magique, et en plus magique, il a 112. Bon, remarquez, c'est vrai que Serena, en fait, elle me sert pas tellement à attaquer. Mais d'un autre côté... Ouais, talent à la harpe, lance et baguette. Elle a pas de... Champ de foot, champ d'air. Elle a pas de... C'est vraiment un personnage de soutien pur. Je veux dire, elle a pas de compétences qui permettent de... Enfin, d'autres sorts. Là où Théo, il a quand même un arbre quand même vachement plus balèze. Tout comme Silvando qui a un arbre plus balèze que celui d'Eric. Enfin... Ouais. Véronica, elle a pas un truc si énorme que ça non plus. Bon, bah écoutez, on va garder Théo, hein. Pour l'instant, enfin, vous me direz un peu vos avis en commentaire, mais enfin, moi j'aime pas trop le chara-design du personnage, donc j'aurais plutôt gardé Serena. Mais effectivement, si je me fie aux compétences, aux stats et à la plus-value qu'il peut apporter, la logique voudrait que je le garde dans l'équipe parce qu'il peut faire plus d'attaques que Serena qui a juste une attaque tornade. Donc, bon, après, ça exclut pas de changer plus tard dans le jeu, mais en général, c'est peu probable que ce genre de choses arrive. Donc je sais pas. Et pour l'instant on va le garder, hein, écoutez. Euh,
Pam, padam, padam, ah oui, là c'était fermé. D'accord. Et là, un remède supérieur. Et hop. Ok, très bien. Bon, ben dans ce cas, j'ai peut-être bien fait d'aller explorer. On va gagner du temps. Du coup, j'ai pas besoin de prendre la route. Puerto Valor. Casino Round 2. Ouais, j'ai bien fait d'aller explorer pour le coup. Faudra que je vois où j'en suis d'ailleurs en termes d'argent. Parce qu'avant d'aller tout dépenser au casino, faudrait peut-être que j'achète quelques trucs pour Jade et Théo. Ok, darlings, I'll see you when you're finished here in town. I need to go and see a man about. What came over him? Don Rodrigo lives in that grand old place over yonder. Oh, and don't go mentioning my royal past, will you? As far as he's concerned, I'm just his old pal Rab. Let's keep. Okay. Donc il est où le manoir? Ah, il y a une quête sur la plage. Le grand manoir là-bas. Oh, ah oui, oui, ah oui. Attendez, je l'avais vu ce manoir la dernière fois? Je me souviens plus. Bon, alors il y a une quête sur la plage. On va aller la récupérer. Après, on va aller faire 2-3 magasins. Et après, direction le casino. Combien j'ai d'argent? 9000 PO. Oh, il y a moyen de faire 2-3 trucs. Alors, monsieur. Hola, chico. Tu aimes les serveuses? Si, moi, j'adore les serveuses. Personne dans tout RA n'aime autant les serveuses que moi. Je suis impressionné depuis que je suis petit. Un jour, j'ai vu une serveuse si jolie que c'est devenu une obsession chez moi. Ah si, je l'admets, je suis complètement loco. Ah, mais ce qui est triste, c'est que pendant toutes ces années, je n'ai jamais croisé de serveuse qui rivalise un tant soit peu avec mon premier amour. Mais les choses vont peut-être changer, chico. Ton amiga, la petite brune, je pense qu'elle fera une très jolie serveuse. Et si on essayait, tu pourrais lui préparer une tenue de serveuse. Ensuite, j'essayerai de la persuader de la passer. Ok. Bon, d'accord. Donc, il lui faut les barésilles et le haut qui va avec, c'est ça, hein? Ouais, j'imagine qu'il lui faut les barésilles et le haut qui va avec que je n'ai pas. Ah, les oreilles de lapin peut-être. Attendez, parce que du coup j'ai encore passé le truc. J'ai encore passé le truc trop vite et maintenant je sais plus. On va aller faire un tour dans les magasins, voir si ils ne vendent pas éventuellement ce qu'il faut. Alors, acheter plateau d'or, hein, turban à plumes. Non, ils vendent pas ce qu'il faut. Casque de bronze, turban, bouclier. Ouais, le bouclier d'acier éventuellement. Ok. J'ai pas des trucs à vendre, moi, tiens. Si, j'ai des trucs à vendre. J'ai forcément des trucs à vendre. Dans le sac d'équipement. Voilà, ça, on vend. Le poignard empoisonné, on vend. La cagoule de chat, je garde. Toi, tu n'as pas. Non, tu n'as pas. D'ailleurs, oui, si, sac d'objets. Le souverain brésilien. Et le sud-brésilien. Voilà. Bon, j'ai pas la tenue qu'il faut, du coup. Madame, est-ce que vous vendez des armes intéressantes? Une épée large d'acier, non. Un sabre noir, mais c'est un truc à deux mains, ça. C'est... Bah, un sabre. Ah ouais, non, épée longue, si, si. Poignard, ouais, d'accord. Quête. Le bâton du déluge. Fourche de combat. L'hypnofouet. Non, bah écoutez, je vais économiser mon argent. Bon, bah la tenue de serveuse, j'ai pas ce qu'il faut, donc éventuellement, à l'occasion... On ira faire ça. Par contre, on va retourner au casino. Et ben des sous! Donnez-moi des sous!
Laissez-moi dépenser mon argent! Faute de faire les magasins, hein? On va terminer cet épisode sur le casino! Ou pas? Je sais pas. Ça dépendra. Alors, alors, oui, je sais, j'en veux plus. Plus de jetons. Alors, je peux en prendre 629 maximum. Bon, on va en prendre 200 pour commencer. Et après, on verra. Voilà. Alors, j'avais essayé, je sais plus quelle machine. La dernière fois, on va essayer celle du fond. Je n'avais pas essayé celle du fond, je crois. Ah. Ah, ces machines ne sont pas prêtes. Et celle-là? D'accord. Slipper Jackpot, je crois que c'est celle qu'on avait faite. Là, c'est machine à sous classique. Alors, attendez. Je vais quand même regarder de l'autre côté. Slipper Jackpot, c'est le truc qu'on avait fait où il y avait le mode d'emploi long comme trois bras. C'est quoi ça? Hola, hombre. Bienvenue à la table de poker. Ah ouais, le poker, je veux bien. Techniquement, je connais les règles du poker. Alors, je veux miser. Putain, 20 jetons. Si je fais une canne flush royale, je gagne 10 000. Allez. Alors, j'ai quoi? J'ai la reine, le roi, l'as. Ça peut me faire une. Ah, une canne slurp royale. J'avais pas fait gaffe. Ah, ouais, d'accord. La canne slurp, c'est avec ça. Donc là, j'ai. L'as, le roi, là, il me faudrait le valet et le 10 pour faire une canne flush. Bon, ben, je vais changer ça et ça. Non, je vais garder ça. Bon, perdu, on recommence. On va en miser que 10 pour commencer. Alors, là, j'ai peut-être de quoi faire un brelan. Alors, tac, tac, tac. Ah putain, quel con, j'ai pas gardé les bonnes. Bon, ceci dit, j'ai quand même un brelan. J'ai gagné ma mise. Par contre, je me repose. Par contre, c'est de l'arnaque que je fasse un brelan ou deux paires, je gagne ma mise. C'est un peu de l'arnaque, ça. Alors. Essayez d'obtenir une carte plus élevée. Bon, normalement, ça devrait aller. J'ai eu qu'un 2. Allez, mise doublée. Ça, c'était dans Tales of Vesperia qu'on faisait ça, non? Je m'en rappelle plus. Allez, qui tout double encore? Ah, Ouais, bon. 80 jetons. Allez, 4, ça devrait passer. Soy, ouais. Allez, 80 jetons. On va garder. Je vais empocher les 80 jetons. Et je refais un poker. Alors, on va miser 50 jetons. Soyons fous. Que je dise pas de bêtises, mais la couleur, c'est 5 cartes de même couleur, même si elles ne se suivent pas. La can flush, c'est 5 cartes qui se suivent. La can flush, ah, je sais plus. Et qu'est-ce qu'ils appellent le poker du coup? Je sais plus. Bon, on va garder ces deux là. Allez, alors je rejoue, tant pis. Allez, on mise 50, on est fou. 5, 6. Oh, pas terrible le jeu là. On peut essayer, mais. Ouais. Allez, on remise 50. Soyons fous, je vais tout perdre. Allez, 2 as, on va les garder. Ou alors je tente la couleur. Ouais, mais en même temps, là j'ai une chance sur 4 d'avoir le vert. Là j'ai une chance sur 4 d'avoir le vert. Ouais, j'ai une chance sur 4 d'avoir la couleur, c'est pas terrible. Et j'ai encore une fois gardé les mauvaises cartes. Le boulet. Alors, ça je garde. Un brelan. Bon. Allez, c'est remboursé la mise. Ça passe. On monte à 40. Encore. Oh, ça va être dur, là ça va pas passer, je pense. Ouais, voilà. Forcément, tout est perdu. Allez.
5, 7, 9, roi, as. Ouais, mais non. La probabilité que je tire un 6 et un 8, elle est quand même vachement faible. Donc, du coup, je vais garder le roi et l'as. Et j'ai. Pourquoi? Ah, pff, oui, le roi et l'as. Oui, d'accord. Deux paires, ok. Allez. Ça passe. On double la mise. Ça passe. Un 10, ça peut passer. Ouais, ça passe. Bien. Ok, donc ça va. Je me suis refait. J'empoche mes 160 jetons. Je me suis refait. Bien. Et c'est. Alors attendez, on va regarder. C'est que des tables de poker. Là par exemple, c'est quoi? Le poker, ouais. Et là. Poker à un jeton. Allez, tiens, pourquoi pas. Donc là, du coup, je ne peux miser qu'un seul jeton? Ah oui, non, d'accord. Au lieu de les miser par 10, on les mise par 1. D'accord, ok, c'est ça que ça veut dire. Ok, ok, d'accord. Bon, ben on va garder les 2-3. Et c'est perdu. Ok, d'accord. Ok. Bon, ben vous savez quoi? Je vais pas vous retarder plus longtemps parce que je sens que je vais y passer un moment. Moi, le temps que j'ai des jetons, je vais continuer à jouer. Donc, je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser ici. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. On n'est pas complètement ruiné. Donc, en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller sauvegarder avant. Après, je vais jouer au poker. Et après, je vous retrouverai pour le prochain épisode. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Salut tout le monde.